Microclimat. Microclimat. Je suis vraiment pas fier de vous, hein. J'aimerais bien savoir quel est le petit salopard. Le faux cul. Qui s'est emboqué tous les yaourts du frigidaire. Regarde-moi, toi, quand je parle. Alors, je vous préviens, si le coupable ne se dénonce pas immédiatement, c'est fessé déculotté pour tout le monde. D'autre part, quel est celui qui, systématiquement, quand il va aux toilettes, ne tire jamais la chasse? Hein? Et pour finir, quel est le crétin lubrique qui a fait sécher ta collection de capotes dans la salle de bain? Hein? Moi, je mets pas de capote, alors. Quoi? Qu'est-ce que tu... Oh, mais j'ai une vague idée de celui qui a dû le faire. Moi aussi. Je vais vous dire, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ouais, allez, ouais, vas-y, envoie la purée, vas-y, vas-y, envoie la purée. Elle arrive, la purée. Allez, envoie-la, la purée. Oh, ouais, ça vient, je la sens venir. Allez, lâche-toi, mon grand, vas-y. J'y veux pas, aidez-moi, quoi. Parce que je suis dans un état, c'est terrible, quoi, vous allez voir, c'est... Ouais, maman le caresse. Ou alors ça vient ou quoi, là? Elle est même pas foutue de le faire jouir, là. Attention, tu parles pas comme ça, ma meuf. Elle a le droit d'exciter le micro, je suis d'accord, mais attention, hein, il faut aller jusqu'au bout, c'est ça le problème. Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, le tint un peu... Merci, monsieur, merci. On vous rappellera. D'accord. Au revoir.